Donc moi je suis Emmanuel Gras, je suis donc réalisateur. Il se trouve que j'ai fait plus de documentaires que de fiction, mais à la base aussi pareil. Pour moi le cinéma c'était plutôt la fiction et j'ai commencé plutôt au tout départ avec des courts-métrages de fiction et c'est ensuite, mais ça sera l'objet de ce dont on va parler, je suis plutôt allé vers le documentaire et donc maintenant voilà, là ce que vous avez vu hier c'était mon quatrième film documentaire de cinéma. Comme parfois aussi dans les films, on ne sait pas nécessairement exactement pourquoi on le fait. On le fait parce qu'on a envie de le faire. C'est ça la base, hein. C'est que moi, c'était au cours du montage, ce n'était pas prévu au départ, c'est que je me suis rendu compte que j'ai commencé à monter des images avec une musique qui n'était pas celle-ci, celle qui a été choisie au final. Et que ces manifestations, justement, comme j'avais tenu pas mal à ce que les manifestations, elles soient montrées toujours à travers le regard de ceux qui sont des personnages, quoi. Qu'on sente la violence, et c'est ça qui, pour moi, faisait la différence par rapport à des images de news. C'était que là, on accompagnait des gens qu'on connaissait dans les manifestations. Et que du coup la peur, l'effet de la violence ou l'espèce aussi de pas uniquement la peur, le tourbillon presque grisant qui peut exister aussi là-dedans, je voulais qu'on le vive à travers les personnages. Quand je dis le tourbillon grisant, je pense au personnage d'Alan qui est en train de filmer, on sent qu'à la fois il fait ah, ça va partir en cacahuète, et puis en même temps il est là en train de filmer. Enfin, il y a une espèce d'exaltation en même temps, mais ça se vit à travers les personnages. Et que, en fait, avec la musique, c'était autre chose. Et en fait, donc c'est arrivé à un certain moment, et aussi je cherchais un peu la manière de terminer le film. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que oui. Le moment du 16 mai, donc là où il y a eu tous les Champs-Élysées qui ont été cassés et où ils se disent, mais en fait, okay, bon, bah, c'est un peu la fin, il y a tout le monde, enfin, c'est allé trop loin et ça va nous retomber dessus. Et ensuite, l'épuisement qui était un peu partout, donc il y avait quelque chose de très écrasant, en fait, pour les personnages, d'une fin comme ça qui part, justement, ça part pas en cacahuète, ça se délite, quoi. Quelque chose d'assez déprimant. Et avec ces interviews de fin qui étaient importantes pour faire une espèce de bilan, et en même temps que ça soit pas. C'était un bilan, mais c'était pas un bilan de fin non plus, puisque il y en a qui disent que le combat continue, d'autres on sent que bon, ils sont un peu au bout du truc. Mais quand même, donc c'était pas vraiment une fin. Et moi, j'ai eu envie que le film, en fait, prenne le relais de ce qu'ils avaient vécu. C'est-à-dire que, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, ça, c'était au moment du tournage, mais encore plus au moment de la réflexion sur le film, au moment où j'ai écrit le dossier. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le fait que c'est des gens qui, donc, n'avaient pas de prise de parole publique, n'avaient pas de rôle, en fait, ni dans la société. Toutes leurs opinions, c'était des choses qu'ils gardaient dans le truc privé, et c'est vraiment les exclus de la mondialisation. C'est des gens qui pouvaient faire partie d'une histoire ouvrière, mais qui, en fait, avec les entreprises qui partent, le système, la précarité, etc., en fait, n'ont plus d'existence sociale, sont les oubliés du nouveau monde, et en même temps, là, d'un coup, ils ont repris la parole. Et ils ont cru vraiment qu'ils pouvaient changer les choses. Et en fait, il y a un truc assez épique. Et puis même quand ils parlaient, ils avaient l'impression d'être les nouveaux résistants, les nouveaux révolutionnaires. À un moment donné, ils croyaient vraiment qu'ils allaient renverser le pouvoir, que la police, que les forces de l'ordre allaient se mettre de leur côté, et qu'ils allaient faire un grand basculement. Il y a vraiment eu cet espoir-là. Et je trouvais ça à la fois beau et tragique. Et en fait, qu'il y avait un souffle épique pour moi. Épique, mais brinque-ballant, quoi. C'est la révolution, on y va, mais en même temps, on n'est pas préparé, quoi.
Et donc, je trouvais que dans le film, j'essayais de faire porter un peu ça. Parce que si vous. Il y a un moment, il y a deux moments dans le film, en fait, où cette musique de fin-là, elle est présente avant, mais un peu discrètement, où ça monte un petit peu. Et en fait, je voulais avoir une construction. Enfin, je me disais, en fait, aussi par rapport à ce que je disais, je ne sais plus si c'était par rapport à une question de toi, sur le côté de la question de la dramaturgie, quoi. Que il fallait que moi je voulais qu'il y ait, enfin, je sentais que j'avais besoin de d'un moment donné de quelque chose qui de cette énergie qui explose, quoi. Et donc, je me suis dit, le film peut prendre le relais dans l'histoire elle-même. Ils arrivent à la fin, ils sont épuisés, et puis ça se délite. Mais le film, moi, je peux prendre le relais pour dire, en fait, vous avez vécu quelque chose. En fait, c'est un peu comme une image mentale, telle que je me la suis imaginée, de ce que eux, et comme leur souvenir à eux, de ce qu'ils ont vécu. Et c'est pour ça que c'est introduit par le plan où il y a Agnès qui regarde par la fenêtre, et où il y a un silence, et où elle est pensive, et en fait, on reste en silence, et ensuite, on a ce plan-là vu du dessus, où c'est un peu un plan étonnant. Enfin, ça ressemble pas aux autres plans du film, en fait. C'est plus un plan mental, quoi, pour moi. Et le silence, il dure assez longtemps avec la musique, avant que la musique arrive. Donc, je voulais que ça soit en passe dans un autre registre. Et en effet, avec des plans plus construits, mais bon, ça, je les avais filmés avant, c'était pas. Je m'étais déjà dit que je pourrais les mettre dans le film et tout ça, mais sans savoir quand ni comment. Mais, et voilà, et en fait, notamment aussi sur le côté massif, en fait, je voulais que. Si vous regardez, à un moment donné, dans ce montage-là musical, il y avait des retours sur les personnages. Vous voyez, on les revoyait eux au milieu de la foule et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, là, pour le coup, ça devenait vraiment genre nos souvenirs de vacances, quoi. Vous voyez, et c'était donc ça devenait un peu cucu. Mais au contraire, du coup, je les ai au contraire effacés pour que on passe de l'histoire de ces personnages-là et de ce groupe-là à l'histoire du mouvement des Gilets jaunes avec le côté surtout massif. C'est pour ça qu'il y a des plans qu'on n'avait pas vus. Par exemple, sur les Champs-Élysées, on voit que vraiment tous les Champs-Élysées sont remplis de gilets jaunes. Ce n'est pas une image qu'on avait vue dans le film. Et je voulais quand même que ça existe à un moment donné, qu'ils avaient fait ça. Ils avaient investi les Champs-Élysées de manière massive. Et que le film pouvait faire exister ce truc-là. Et alors après, en effet, ça part dans la violence. Déjà parce que c'est kiffant à monter. Il y a le côté plaisir, faut pas l'oublier quoi. Quand on fait un film, faut qu'à un moment donné, on se fasse plaisir aussi. Mais bon, là, disons qu'un plaisir justifié, c'est mieux. Et là, c'était un peu un résumé du truc. C'est-à-dire, on part massif, il y a l'espoir, ça monte. Et après, quand même, disons, un des trucs les plus frappants et finalement qui construit un peu le film, même si c'était pas au départ, moi j'avais pas l'intention d'axer les choses sur la violence, mais c'est un peu ce que, comme sur. Je parlais des lignes narratives, en fait on est obligé un peu de choisir des thématiques, parce que dans une discussion de 4 heures qui peuvent avoir des débats, il y a des trucs sur les revendications, de qu'est-ce qu'on va revendiquer, qu'est-ce que. Et moi, du coup, on a cherché avec la monteuse un peu les thèmes qui revenaient vraiment régulièrement, sur lesquels on pouvait construire, en fait, qu'on pouvait retrouver au fur et à mesure des discussions. Donc, il y a eu, finalement, j'ai dû faire des sacrifices là aussi. Il y avait des trucs super intéressants que j'ai dû passer à la trappe. Mais on est resté plutôt sur le RIC, qui est un peu la revendication qu'on retrouve au fur et à mesure et qui évolue. Et la question de la violence. Qu'est-ce que c'est que la violence? Est-ce que c'est quelque chose qui est utile ou est-ce que c'est quelque chose qui va jouer contre le mouvement? Et disons que c'est quand même un des aspects frappants du mouvement, c'est l'aspect que ça, au bout d'un moment, toutes les manifs, ça partait en cacahuète et il y avait des affrontements. Et ils se sont retrouvés face à une répression, mais aussi entraînés, bon ça c'est moi qui le dis, mais entraînés par les Black Blocs ou quoi, dans un engrenage comme ça de violence. Moi je pense que la violence était nécessaire à un endroit, mais qu'après il n'y avait plus de manif, tu pouvais aller sans qu'il y ait des affrontements. Donc il y a eu un espèce comme ça d'explosion, et qui montre, mais dans cette explosion-là,
Il y a à la fois l'énergie révolutionnaire, enfin en tout cas, ce que tu disais. Et puis c'est vrai que j'avais filmé cette image-là assez iconique où il y a la barricade avec l'arc de triomphe derrière, les gens qui montent sur la barricade et qui font, qui agitent les drapeaux. Enfin, il y a vraiment, De la enfin moi, fumée. la fumée, j'avais, enfin ça sur les Champs-Élysées, c'était hallucinant. Et pour le coup, c'est vraiment la barricade, la liberté guidant le peuple. Et donc, il y avait ce côté-là d'imagerie révolutionnaire. Et en même temps, donc la violence, enfin, si on regarde le tableau de Delacroix, je crois, ou Géricault, je ne sais plus. Mais enfin, en tout cas, la révolution est violente aussi. C'est pas, cette imagerie-là, elle fait partie de tout ça. Et donc. Voilà, je voulais que ça existe. Je voulais, en fait, comme le film, en fait, dit, bah, vous avez vécu tout ça. Rappelle aux Gilets jaunes qu'ils ont fait tout ça. Et qu'ils ont eu cet espoir-là. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait, voilà, c'est ça que j'ai voulu faire. Donc, à la fois une imagerie mentale, c'est un peu le symbole leur rêve. Leur rêve et leur cauchemar mis en image, quoi. Oh non, c'est un crève-cœur. Ouais, c'est ça. C'est l'horreur. Maintenant, de toute Toujours, façon, quoi. tu souffres. Ouais. En fait, il y a le montage, mais je pense que c'est vrai aussi en écriture. Tout qu'en fait, en écriture de fiction, en fait, c'est une sorte de montage qu'on fait, mais à l'écriture, en réalité. Il y a toujours le premier truc où tu mets tout et tu fais, là, tu es dans la joie. Puis après, tu regardes, tu déprimes parce que c'est chiant. Et ensuite, bah, plus t'as mal, non, je dirais pas plus t'as mal, mieux c'est, mais disons que tu es obligé, tant que t'as pas fait des gros sacrifices, je sais que moi, il y a un sacrifice que j'ai pas voulu faire. Et c'est un petit moment de ralentissement. Je sais que c'est un moment dramaturgiquement qui n'est pas bon dans le film. Non, je peux pas vous le dire. Je sais qu'il y a un moment où normalement on devrait passer à autre chose. Et moi, j'ai pas pu faire le sacrifice d'enlever la scène. Et je sais que c'est un petit moment de ralentissement dans le film. Mais parce que j'en avais fait des tonnes avant. Et parce que le premier montage, il faisait 5 h 30 quand même. Donc. Quand tu passes de 5 h 30 à 1 h 30, c'est que t'as dû en enlever beaucoup, ouais. Ben, y a plein de manières de travailler différentes avec monteur. Moi, c'est une monteuse avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis très longtemps. En fait, on a commencé enfin, c'est vraiment sur mes premiers. Enfin, j'étais encore, même pas étudiant en cinéma, j'étais en fac de ciné quand on avait déjà fait des courts-métrages qu'elle montait. Donc, je la connais très bien. Et en même temps, je suis très présent. Moi, je fais partie des rats qui sont hyper présents au montage et même où je la lâche pas. Et on avait eu des tensions, notamment sur Makala, on avait eu des grosses tensions. Parce que j'étais, enfin elle me trouvait trop non. Et c'est vrai que moi, et en fait, il se passe quelque chose quand t'es réalisateur et que t'es derrière le monteur, c'est que toi tu réfléchis beaucoup plus vite que le monteur qui est. Et du coup moi je la trouvais trop lente et j'ai l'impression qu'elle réfléchissait pas au film pendant que moi j'étais déjà en train de me poser des questions de plus tard. Bon bref. Et donc là. On a commencé à réfléchir, on monte les scènes ensemble, et ensuite, c'est beaucoup, là, dans un film comme ça, c'était beaucoup, tu as des post-it, tu as des scènes, et c'est comment est-ce que tu construis, etc. Et puis après, il faut remonter à l'intérieur des scènes, etc. Enfin, c'est un espèce de truc, ça a duré longtemps. Et en fait, sur ce film-là, en fait, on avait 2 salles de montage, en fait. Moi, j'ai monté toute une partie des scènes tout seul, et elle. Aussi, enfin non, non, on a plutôt monté les scènes ensemble. Et après, une fois que tout ça a été monté, moi j'ai parfois bossé sur des parties du film tout seul et elle toute seule aussi. Et en fait, ça a vachement bien marché comme ça. On était beaucoup moins à s'engueuler. Mais disons que c'est, bah après, non, c'est tout un truc le travail avec le monteur. Mais par exemple, je pense qu'en fait, ce que je vous disais sur les interviews là,
Moi, je m'étais rendu compte au moment du tournage que j'avais besoin d'interviews. Et puis, il y avait un truc qui n'allait pas. Ensuite, on a fait une première version où il y avait des interviews au début, assez longues, enfin un peu plus longues que celles qu'on a gardées finalement. Et là, on l'a montré à des puristes du documentaire. Ils ont dit, ah oh non, on n'a pas besoin des interviews. C'est pas. Parce que, évidemment, même moi, ça me choque un peu la première fois que je vois Benoît qui parle face caméra et tout ça. Et. Ah, des puristes du cinéma direct, Oui, voilà, quoi. pardon. Pardon, Ouais. des puristes. Non, non, mais en plus de ça, même dans le cinéma direct, il y a plein de films qui sont basés sur des interviews. Mais disons. Enfin, j'ai bien vu. Puis d'ailleurs, je sais très bien que le film, il a. Une des raisons pour lesquelles il a moins tourné en festival, c'est cet aspect-là. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ça, je le sais. Ça pardonne pas, quoi. Dans Ça pardonne certains pas. milieux du documentaire, on Ouais. dirait une famille. Ouais, et ça donne une couleur beaucoup moins art et essai que si on est en pure observation. Même s'il y a des documentaires où c'est basé sur des interviews, mais dans ce cas-là, c'est plutôt des longues interviews. Mais vous voyez, le genre de mélanger le côté interview, observation, tout ça, ça peut partir vers le documentaire plus journalistique. Et d'ailleurs, enfin, moi, je sais que je peux avoir une gêne, mais en tout cas, on est parti. Du coup, on a enlevé ces interviews, et je pense qu'on a perdu 6 mois de montage vraiment à cause de ça. Parce qu'ensuite, on a construit le film sans ça. Et en fait, tout le temps, ce qui revenait, parce qu'on l'a montré régulièrement au fur et à mesure du montage, c'était que ça n'accrochait pas avec les personnages. Ça n'accrochait pas. En fait, ils ne savaient pas pourquoi est-ce que Benoît, Nathalie, pourquoi les gens qu'on suivait étaient gilets jaunes. En fait, il manquait quelque chose, il manquait de l'empathie. Et donc, on a perdu 6 mois juste parce qu'on a refusé ça. Et ensuite, une fois qu'on les a remis, ben, voilà, ça y est, on avait une manière de pouvoir entrer. Et c'est vrai, ça aurait été super d'avoir une autre manière, que ça soit dans une discussion entre deux personnes qui se racontent leur vie. Mais bon, là, il n'y avait pas de possibilité, ça n'avait pas de sens d'essayer de créer une discussion entre Benoît qui allait raconter, tu sais, moi j'étais SDF, tout ça, enfin, ça marchait pas. Donc, non, la manière, c'était comme ça. Et en fait, en replaçant ces interviews, on a pu. En fait, c'est la même construction de film avec. Sauf qu'on a mis des entretiens qui permettent de savoir qui sont ces gens. Exactement, ouais. C'est vrai enfin, le plus important, ça reste. Enfin, pour moi, quand on travaille, il y a deux choses qui sont les plus importantes. Enfin, non, c'est que chaque projet a sa propre forme. Il n'y a pas. Si on arrive en se disant, en fait, moi, je veux telle forme, ça ne correspond pas, en fait, à ce que tu es en train de filmer. C'est bien d'avoir une idée formelle, c'est très bien. Mais si ça colle pas, ça va pas. Et là, ensuite, c'est la structure, quoi. C'est vraiment la structure qui détermine tout. Tu as des super scènes que tu peux pas mettre. C'est toujours le cas. Là, moi, j'avais aussi un peu envie, justement, comme j'avais fait des films qui étaient plus basés sur d'autres principes, pas formels, mais de recherche. Ce que je recherchais, c'était, disons que j'allais chercher dans le réel des choses qui m'intéressaient. Là, j'avais envie de me laisser porter. Donc, au tournage, je m'étais dit, je me laisse libre de faire ce que je veux. J'avais même fait des trucs, encore différents. Et c'est au moment du montage où je vois que ça m'a rattrapé. Parce que, en fait, ces critiques-là correspondait à un truc où moi-même je pouvais me dire, hein, ben en fait, quand même, si c'est mieux quand il n'y a pas d'interview, ça correspondait à une espèce d'idéologie à laquelle je pouvais souscrire. Et en fait, ben ouais, on se fait avoir par soi-même. Non, mais c'est ça. Hein. Après, bon, finalement, je les ai mis. Hein. Oui, ce qui est heureux, c'est. Alors sur le côté expérience, oui, en effet, je pense que c'est vraiment le genre de enfin, et on a raison de dire, en fait, un documentaire, ça s'écrit avant et ça se prépare,
ça se réfléchit avant, parce que le réel est tellement multiple, tellement de choses peuvent se passer, et que si on n'a pas en tête ce qu'on cherche, on est complètement noyé dans le réel. Ça, j'ai vu plein de gens le faire, mais vraiment passer des années à se perdre dans ce qu'ils étaient dans leur projet de film. Ça peut être presque tragique, réellement, hein. Les gens qui ont un projet, qui ne réussissent pas à déterminer exactement, et qui filment des trucs dans tous les sens, et au final, ils se retrouvent avec des rushs, ils ne savent pas quoi en faire. C'est vraiment. Donc là, en y allant comme ça, moi, j'ai pas vu tous les autres films. J'ai vu d'autres films qui ont été faits sur les Gilets jaunes. J'en ai vu un, non deux. Il y en a un qui était passé sur TN, qui était plutôt bien, mais où je pense que quand même, c'était pas assez pensé justement. Mais donc là, je pouvais vraiment me laisser noyer. Et c'est parce que, en fait, c'est des principes assez simples de dramaturgie, de narration. C'est-à-dire de me dire, de sentir que il faut que je tienne. Que je tienne des fils, quoi. C'est de tenir des fils. Alors, je ne savais pas, j'avais plein de fils à tenir, mais il fallait que je les tienne. Il fallait que toutes les réunions où ils essayent de s'organiser, j'y sois, que je filme et que je vois ce qui se passe. Que là-dedans, et c'est au fur et à mesure où je vous ai dit par rapport à l'intimité des gens, de pouvoir à un moment donné aller chez les personnes que je suivais, les principaux, qu'il fallait que je tienne sur quelques personnes que je filme. Ça, c'était par exemple une vraie question. Puisque, pareil, de manière idéologique, on peut se dire, ouais, les films où on raconte l'histoire de bidule et bidule, c'est plutôt télé. Et en fait, là, c'est l'histoire d'un collectif, on pourrait se dire ça. Et je dis ça parce qu'il y a, y a, y a d'autres films où ils se sont dit, en fait, nous, on fait l'histoire d'un collectif, donc on va pas avoir de personnages. Vous voyez? Puisque c'est un mouvement collectif. Et que idéologiquement, ça semble coller. Vous voyez? Et en fait, moi, je me suis rendu compte que déjà, d'une part, ça ne correspondait pas au réel. C'est-à-dire qu'en fait, dans le réel, c'est pas juste un collectif, en fait, c'est qu'un collectif, il vit parce qu'il y a quelques personnes qui s'en occupent plus que d'autres. Et que la question des chefs allait se poser. Ça se sentait assez rapidement que Benoît, c'était un peu le porte-parole, le mec qui se mettait en avant, mais qui commençait à saouler un certain nombre de gens parce qu'il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Mais vraiment, il parlait. Ça n'en finissait jamais. C'était hallucinant, le blabla qu'il pouvait faire. Et en même temps, c'était celui qui parlait bien, mais sauf qu'au bout d'un moment, on se rendait compte que ça blablatait énormément. Mais il lâchait pas le micro. Et qu'il était bon dans le côté rassembleur au début, mais qu'il communiquait super mal, que ça créait des frustrations. Bref, ce côté-là, je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure que ça existait dans tous les autres groupes, ce côté chef, enfin leader, élu ou autoproclamé, dans un mouvement qui se voulait très horizontal, où tout le monde était des individus libres, enfin ils tenaient à fond à leur liberté, puis. Bref, la question du collectif et de l'individu était super importante. Donc, en fait, c'était une erreur de vouloir faire croire que c'était un collectif. On n'était pas dans un truc canard avec un principe d'autogestion horizontale. C'était beaucoup plus le bordel et ça allait se poser. Donc, moi, je voulais en parler. Et après, j'ai suivi des fils que finalement ne sont pas dans le film. Sur le côté formation vraiment intellectuelle, parce que il y a Agnès. Et d'autres sont allés à des conférences sur le RIC, mais vraiment des trucs ultra sérieux avec des universitaires où pendant 3 heures ils expliquent ce que c'est que la démocratie directe, etc., etc. Et où j'ai filmé tout ça. Je crois que ça, je ne l'ai pas monté quand même. Parce que c'était vraiment un aspect intellectuel de conférence, tout ça. Mais moi, ça m'intéressait ce côté des gens qui apprennent. Ouais, en fait, en gros, j'avais l'expérience pour me dire il faut que je suive des fils et surtout que si j'en oublie un, si j'en laisse tomber un, je sais pourquoi. Parce que soit le personnage en fait ne m'intéresse plus, soit parce que je vois que ça mène nulle part cette thématique-là. Et ça c'est l'expérience. Et aussi sur le côté donc Paris local, de suivre en fait ce qui se passe au niveau local, mais de surtout jamais lâcher ce qui se passe à Paris parce que c'est là où
C'est là où on va voir comment ça se passe au niveau des affrontements, de l'évolution globale du mouvement. Et ça, je l'ai eu, j'avais cette expérience-là parce que j'ai fait d'autres films comme chef-op et comme réalisateur, et que j'ai aussi connu ce que c'était que de errer dans son sujet complètement à travers un film qui s'appelle 300 hommes, qui est sur un centre d'hébergement d'urgence. Mais je ne sais plus si j'en ai parlé hier. Ouais, un petit peu. Voilà. Où là, ça s'était étalé sur 5 ans, on était deux réas, et on était à la fois du même avis, enfin, on passait des heures et des heures à discuter, mais vraiment des heures, et en même temps, on cherchait le film, et on a mis énormément de temps à trouver le film, et j'avais pas envie de revivre ça. Donc là, je me disais, je m'accroche à des principes, en fait, à des principes, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Voilà. Alors, ah oui, la question de l'engagement. Disons que en manif, donc moi, la première idée, c'était de suivre les gens que je filmais, d'être avec eux dans les événements qui allaient se passer, de coller à leur basque si on veut. Et en même temps, je me suis rendu compte aussi que si je restais trop avec Agnès, Nathalie, tout ça, vu qu'elles avaient peur, elles restaient plutôt en retrait des affrontements. Donc, moi, je sentais que j'avais envie et besoin de montrer là aussi où ça pétait, pas de rester juste de loin. Donc, il y avait Benoît qui y allait, il y avait Alan qui y allait. Donc, et puis parfois je les perdais aussi. En fait, j'avais en tête justement ce truc-là dont je vous ai parlé sur le côté épopée, d'avoir des plans construits. J'avais déjà en tête en fait tout ça. J'avais en tête que je voulais rendre compte de quelque chose de plus grand qu'eux. À la fois, je voulais les accompagner dans les manifs pour sentir avec eux ce que c'était que d'être pris dans une nasse ou pris dans quand ça bouge partout et que ça explose et que t'as peur. Mais je voulais aussi raconter. Alors du coup, c'était un équilibre pas évident. Mais comme il y a eu tellement de manifs, tous les samedis j'y étais. Donc pouvais des fois partir tout seul et aller filmer ces plans-là que j'avais en tête comme étant de je sais pas quoi, qu'est-ce que je vais en faire exactement, mais ça me servira. Et voilà, après sur l'engagement physique, moi j'avais comme principe d'être comme eux, c'est-à-dire en fait ils n'étaient pas protégés, ils n'avaient pas de casque, et je voulais pas être comme les journalistes qui arrivent, je sais pas si vous avez fait des manifs, mais on voit vraiment l'harnachement, et je les comprends, c'est leur boulot, et ils n'ont pas envie de se prendre des pavés ou des trucs sur la tête. C'est vrai que ce qui est parfois plus dangereux, c'est les gens qui jettent des cailloux sans regarder du tout où ça se passe. Mais bon, moi, je me disais, non, je vais pas mettre un casque. Par contre, des fois, j'avais un masque, des fois, j'avais pas de masque, parce que des fois, je l'oubliais, mais aussi des fois, en fait, ils le prenaient. À un moment donné, ils ont interdit d'avoir des masques dans les manifs, mais c'était hyper aléatoire. Donc, des fois, du coup, j'étais complètement enfumé dans les gaz lacrymo. Des fois, non. Moi, j'aimais bien être là où ça se passait aussi. Et ça, peut-être, faut s'en méfier. Faut s'en méfier très certainement, mais moi, plein de fois, je l'ai vécu. C'est que quand on filme, on se sent un peu en surpuissance. On se sent un peu intouchable. C'est un gros danger. Que j'ai expérimenté plein de fois, mais qui permet d'aller faire des trucs, d'aller dans les endroits où c'est un peu dangereux. Donc ça permet de ramener des images, mais en fait, on prend quand même des risques réel sans s'en rendre compte. En plus, sur un truc comme ça, il y avait vraiment des risques pour le coup. Mais moi, c'était ça qui me plaisait aussi. Moi, j'ai pris ici des grenades de désencerclement dans les jambes, des trucs comme ça, mais pas plus que ça, non. Non. Mais par contre, Florent Marcy, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, je ne pense pas, mais c'est un réalisateur de documentaires, qui est un reporter de guerre, qui a fait des trucs en Tchétchénie, en Afghanistan, enfin, des trucs pas possibles. Vraiment en Libye au moment de la révolution, quelqu'un qui a pris des risques vraiment énormes et qui n'a jamais rien eu et qui en fait dans une manif gilet jaune s'est pris un tir de flashball dans la tempe. On en a parlé un moment, enfin il y avait des photos de lui qui ont circulé. C'est lui qui a filmé justement le moment où Jérôme Rodriguez
se prend. Vous voyez, il y a une vidéo qui avait circulé, on voyait le tir et tout ça. Mais en tout cas, lui, voilà, qui n'est pas une tête brûlée, mais qui a été sur des terrains vraiment risqués, ben, c'est dans une manif gilet jaune qui s'est fait blesser. Donc, il y a vraiment un risque. Donc je suis parti avec départ tout seul et ensuite voyant que je m'en sortais pas, je vous dis au niveau technique, c'est-à-dire sur l'histoire du son, en fait il y a quelqu'un que je connaissais pas très bien mais qui est réalisateur et, qui s'appelle Antares, je sais pas si vous connaissez Antares Bassis. Bon, en tout cas il y avait un réalisateur qui lui aussi s'intéressait au sujet et qui m'a dit bah tiens je vais partir avec toi, je vais faire le son et donc il est venu prendre le son. Et en fait, il le prenait très bien. Et avec lui, bah, j'ai commencé à discuter, mais un peu comme en documentaire, c'est des petites équipes, on discute beaucoup en fait, du film. Donc, on réfléchissait beaucoup à tout ça. Au moment où je suis parti avec lui, je me suis dit, c'est risqué de partir avec un réalisateur. Et en fait, ça n'a pas loupé. Il a voulu être co-réalisateur. Et je lui ai dit, maintenant. Enfin, on a eu c'est un sujet un peu lourd sur justement ce que c'est que pour moi. Enfin, moi, je considère que j'ai discuté avec lui comme n'importe quel réalisateur discute avec moi quand je pars sur un film en tant que technicien. C'est-à-dire qu'on discute beaucoup du film. Il y a une réflexion qui se crée, mais c'est pas du tout un travail de co-auteur. Donc lui, il s'est imaginé qu'il était co-auteur. C'est compliqué, mais. Comment dire, au final j'ai écrit entièrement le dossier tout seul. Donc j'ai pris, c'était au mois de mars ou avril, donc après 4 mois de tournage pour pouvoir présenter aux différentes aides, j'ai pris 3 semaines pour écrire à partir de ce que j'avais filmé, écrire un dossier, essayer de déterminer quand même des lignes, faire ce travail là. L'avantage, c'est que j'avais beaucoup de matière et beaucoup de. Voilà, je savais de quoi j'étais en train de parler. Et les avantages, c'était que. Ça restait quand même un truc un peu. Où j'essayais de justifier un peu des choses que j'avais fait. Ce que je vous disais, c'est au niveau des aides. En fait, on peut pas. La plupart des aides, on ne peut pas les présenter une fois que le tournage a commencé. Donc là, c'était évident que le tournage avait commencé. Voilà. Et par rapport à la prod, alors moi, la prod était super, et super au niveau du soutien financier qu'elle m'a apporté. Mais en fait, c'est un producteur qui est beaucoup plus habitué à la fiction. C'était le premier documentaire qu'il produisait. Donc j'ai senti qu'au niveau du retour artistique sur le dossier, c'était pas ouf. En fait, il était genre hyper content du premier dossier, alors que je savais bien que c'était pas terrible. Et lui, il m'a dit OK. Donc, on a peut-être présenté aussi un dossier qui n'était pas complètement abouti. Justement parce que je n'ai pas été avec un producteur qui avait un regard documentaire. Enfin, il le sait, en fait, que lui, le documentaire, il ne sait pas très bien comment ça doit être présenté, que c'est quoi. Et donc, je n'ai pas eu un soutien énorme au niveau réflexion artistique ou formelle là-dessus, alors que j'en avais eu un énorme avec mon producteur précédent qui, lui, était beaucoup plus là-dedans, quoi. Donc, c'est très important, les retours, mais ça peut se faire avec quelqu'un avec qui on travaille ou d'avoir dans la boîte de prod quelqu'un qui est aussi chargé du développement, en fait. Ça s'appelle... Il y a des gens qui s'occupent du développement vraiment artistique avec les auteurs. Parce que c'est compliqué d'avoir tout seul, vraiment, de réussir à trouver vraiment les fils. C'est un travail qui se fait, qui prend du temps. Déjà, il y a une part où ça dépasse, en fait. Moi, c'était la première fois que je faisais un film sur un truc, justement, avec un côté d'actualité. Sinon, j'ai plutôt fait des films, disons, sur des thématiques atemporelles, quoi. L'exclusion, l'histoire de... Donc, je crois que vous l'avez vu, donc, Makala,
quelqu'un d'un villageois. Enfin, c'est plus l'existence d'un homme. Ou quand j'ai fait donc mon premier long métrage Bovine, c'est sur les vaches, où c'est l'élevage, où il y a un côté atemporel en fait. Et là, c'est la première fois que je le faisais. C'était aussi parce que je voulais casser un peu mes, justement, mes schémas, ma zone de, pas ma zone de confort, mais mes habitudes. Je voulais me lancer dans un truc que je connaissais pas, avec le risque en effet d'être obsolète. Et ça, tu ne le contrôles pas du tout. En plus de ça, comme tu le dis, il y a vraiment eu un changement quasiment pas de société, mais enfin, le Covid marque un truc énorme de changement. Enfin, non, pas de changement encore une fois, mais c'est tellement marquant que ce qu'il y a avant nous paraît hyper loin. Encore plus loin que si, qu'avant, un espace de 2-3 ans, maintenant, ça nous paraît être une autre époque, quoi. Donc. Je le savais qu'il y avait un risque comme ça. Après, tu contrôles pas le temps que t'as, dont tu as besoin pour faire ton travail. Et après, là-dessus, arrivait le Covid avec tout le côté retard. Alors, nous, on n'avait pas spécialement de sortie prévue, mais en tout cas, ça aurait pu se passer, tu vois, d'avoir le film qui était prévu de sortir il y a un an et qui sort un an après. Et donc. Là-dessus, enfin déjà sur le côté obsolète, est-ce que toi tu l'as eu en te disant ah tiens c'est sur les jolis jaunes et à la fin est-ce que tu as eu la même sensation que ça te parlait d'un truc obsolète ou pas? C'est vraiment les premières images du Ouais. film. Et après, je suis rentrée dedans et ça a disparu, quoi. C'est vraiment au début. Mais aussi parce que je Oui, m'étais oui. pas. Mais non, mais c'est très bien, c'est justement parce qu'en fait c'est là je vois les retours parce que là il y a eu des projections de presse tout ça. Alors en fait c'est marrant parce qu'il y en a qui trouvent que c'est il y en a quelques-uns qui ont fait la remarque, genre s'il est trop tôt ou trop tard, le film. Enfin, il y en a un qui a dit ça. Ça va, en fait, il fait pas encore, peut-être que ça ne fait pas encore partie de l'histoire, et en même temps, ça ne colle plus à l'actualité. En effet, c'est plus vraiment, on n'est plus dans les gilets jaunes. Mais en même temps, s'il était sorti juste après les gilets jaunes, tout le monde avait tellement bouffé des gilets Ah jaunes oui, que non, bah là, c'est pas sûr qu'il y ait des gens qui y aillent non plus, mais bon, en tout cas. C'était peut-être pas le moment, mais moi, dans ma tête, en faisant le film, en montant le film, je voulais que, mais je crois qu'on en a parlé hier, qu'il y ait cet aspect-là plus historique. Parce que pour moi, j'irais pas voir un film sur le rond-point de Sablé-sur-Sarthe. Je m'en fous, en fait. Pas parce que c'est Sablé-sur-Sarthe, mais parce que c'est trop un détail de l'histoire. Moi, je voulais que. Enfin, j'avais cette ambition-là d'avoir le film sur les gilets jaunes, on puisse se dire, ok, en fait, c'est l'essence de ce qui s'est passé. Et que c'est un film que tu puisses revoir, oui, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être. Enfin, j'en sais rien, mais ça, c'est des espèces de trucs qu'on se raconte soi-même. Qu'il y ait cet aspect historique. Mais peut-être qu'en fait, il est tout simplement un peu obsolète, c'est possible. J'en sais rien, et tu le contrôles pas trop, en fait. Mais il y a un vrai risque quand tu es sur un sujet ultra d'actualité d'avoir cet aspect-là. En fait, ça va aussi beaucoup dépendre de la place que va prendre ce mouvement dans l'histoire. Et il est peut-être encore un peu trop tôt pour le savoir, ça. Ouais, oui, tout à fait. Mais quand même, il y a eu, enfin, je pense, il y a un nombre de bouquins qui ont été écrits sur les gilets jaunes qui est impressionnant, vraiment, et des bouquins aussi faits par des historiens. Pour moi, c'est quand même un mouvement qui restera dans, là, peut-être pas dans 100 ans, hein. On sera plus là. Mais dans 10 ans, je pense qu'on saura ce que c'est que les gilets jaunes, tu vois. Et d'ailleurs, on voit que mai 68, peut-être qu'à l'époque, quand ils ont fait mai 68, c'était ultra court, en Mais fait. d'ailleurs, on ne disait pas mai 68, sans doute. Oui. Hein. C'est venu après, Non, mais quoi. c'est vrai, Peut-être t'as sous raison. l'instruction. Hein. Oui, c'est Je vrai. trouve qu'il y a un terme qui parle bien, ce Là, mouvement, pour le c'est coup, les il y a gilets le jaunes. mot. Comme tu disais hier, tout le monde sait, quand tu dis gilets jaunes, on a tous des représentations mentales Ouais. très, très fortes et très précises du mouvement et de ce que tu as été. Je pense qu'effectivement, ça va rester, mais je pense que. Faut voir aussi parce qu'on est dans un contexte social aussi très particulier en ce moment, il y a des élections, tout ça, donc peut-être que ça va aussi, il va y avoir d'autres mouvements qui vont Ah, peut-être, véhiculer de ce truc-là. ouais, en fait, ouais, c'est vraiment un truc qu'on contrôle pas. Avec, donc, mais c'est vrai que parce que ce que tu soulevais en fait, un peu comme question, c'est un peu dans les quand on choisit de parler d'un truc, finalement, comment on fait par rapport à la question de son actualité, enfin, est-ce qu'il va exister encore ce sujet-là, ou est-ce que ça va nous paraître hyper ancien?
Et c'est un vrai truc compliqué. Peut-être qu'en voulant trop être genre assez hyper fort en ce moment, en fait c'est un espèce d'épiphénomène qui est pas important. Ou au contraire, ça va rester. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des films que tu vois aujourd'hui, tu te dis, bon, bah. Enfin, non, je pense que quand même, si le film il a cette portée universelle, il reste en fait. Le film reste même si l'événement est oublié. Donc c'est ça. Du coup, peut-être que j'ai fait une connerie en me disant que ça allait être le film historique sur les Jeux Jaunes. J'en sais rien, puisque. Mais à la fin, j'ai pensé que dans les interviews, il y avait des paroles qui annonçaient un peu la crise sanitaire. Alors, il y en a un qui parle de la crise écologique, plutôt. Oui, c'est pas dans les interviews de fin, mais il y a un dialogue entre Nathalie et le mec qui est directeur du magasin là, où elle lui parle des hôpitaux, de la sécurité sociale. Et c'est vrai que juste après ça, en fait, parce que après les Gilets jaunes, il y a eu l'été, ensuite il y a eu le mouvement sur les retraites. Et c'est le mouvement où les Gilets jaunes étaient encore présents, mais c'était pas quand même passé à autre chose. Et les Gilets jaunes continuaient de participer. Et puis après, il y a eu le Covid. En fait, on a eu une succession comme ça de crises qui sont en fait annoncées, mais pas, en fait, en gros, parce que c'est un peu toujours les mêmes. Là, le truc, pour moi, c'est un peu, si on sort au moment des élections, c'est aussi pour sortir à un moment où on parle plus de politique. Après, on voit bien que tel que c'est parti, ça parle beaucoup d'immigration, d'islam. Voilà, ça repart sur les thèmes de l'extrême droite vraiment. Donc, on ne se dit pas qu'on rentre dans le cadre, mais on se dit plutôt que le film participera peut-être à un débat plus sur des questions sociales et non pas faussement importantes. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, on espère participer au débat, mais peut-être qu'en fait, ça apparaîtra comme étant, ah oui, les gilets jaunes. Ou peut-être que ça va apparaître comme étant, ah oui, en fait, c'est vrai qu'il y avait ces thématiques-là. Il y avait la thématique du pouvoir d'achat, mais pas de la pauvreté, en fait, et aussi du rapport avec les puissants. Peut-être que ça va réapparaître, parce que, comment dire. Le truc soulevé, mais c'est vrai que qui est présent, mais qui n'est pas complètement présent. En fait, c'est surtout une espèce de fracture sociale entre une population qui va dans une direction de misère et une frange de la population qu'ils appellent l'élite, qui elle, c'est très caricatural et en même temps c'est ultra vrai. Là, j'ai vu un film, je ne sais pas si vous connaissez Les Pinsons Charlot, vous voyez qui c'est, le couple de sociologues qui sont occupés de la bourgeoisie. Il y a un film qui va sortir sur eux et en fait où ça parle que de ça en fait ça parle que de cette richesse-là qui en fait s'enrichit pendant que on s'enfonce dans une situation de crise et en fait les Gilets jaunes c'était vraiment l'expression de ça. Bah, en fait, ça pose la question de l'engagement du réalisateur aussi. Donc, il y a l'engagement en tant que personne, citoyen ou je sais pas quoi. Mais il y a aussi qu'est-ce que tu montres dans le film. Alors, justement, je crois qu'hier, j'ai dit que ouais, j'aurais pas fait un film sur la grève de machin, tout ça. Pourquoi? C'est pas uniquement parce que je trouve que la cause est trop évidente. C'est aussi parce que, en fait, comme film, ça m'intéresse moins de faire un film qui du coup moi m'apparaîtrait comme un film militant. Alors et c'est une vraie question parce que la différence entre engagement et militantisme. Moi il y a des super films militants, vraiment il y a des super films militants, mais il y a un truc qui me dérange dans pour moi, ils sont super quand ils réussissent à trouver une forme qui va bien avec, c'est-à-dire où ça devient plutôt des objets formels qu'ont un discours direct. Je pense qu'il y a des courts-métrages comme ça de Jean-Gabriel Périot. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Jean-Gabriel Périot.
tout le monde ou pas? Parce que ça vaut le coup de voir, ils sont visibles. Il a un site, on peut en voir pas mal. Il a fait pas mal de films avec des archives. Et il y en a quelques-uns qui sont vraiment super. On sent bien qu'il a un propos très, très, très direct, mais parce qu'il trouve une forme très originale, ça devient intéressant. Et d'ailleurs, en fait, il s'est plutôt orienté vers des sujets, je pense, plus compliqués. C'est lui qui a fait un film qui s'appelle Une jeunesse allemande, un long métrage sur la fraction armée rouge, où là, justement, c'est un peu l'engagement d'extrême gauche qui tourne au terrorisme, enfin, où c'est compliqué. Donc, je pense que lui-même, en fait, a fait un parcours un peu de s'éloigner vers des films trop directement militants, vers des trucs plus complexes. Mais en tout cas, pour moi, le film, en fait, en gros, mais c'est comme dans la vie, en fait, ça m'intéresse quand les choses ne sont pas tranchées, ne sont pas trop directes. Et donc, là, ce qui est compliqué, c'est que, en fait, moi, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je montre? Est-ce que je montre des gens d'extrême droite? Est-ce que j'ai eu des... mais j'en ai pas eu beaucoup, en fait. Et je ne sais pas encore aujourd'hui si j'ai pas eu beaucoup de propos d'extrême droite parce que il y en avait pas beaucoup ou parce que en fait naturellement sans m'en rendre compte j'allais pas trop vers ceux qui disaient ça. Vous voyez? Et je ne sais pas. Ou s'ils me le disaient pas parce qu'ils sentaient que j'étais pas à fond. Mais non, mais moi je faisais hyper attention à pas. Et moi j'avais aucune opinion politique. Je disais rien du tout de politique, fallait pas qu'on sente, mais de toute façon, j'affirme pas de manière naturelle mes opinions politiques à des gens que je connais pas, mais encore plus quand tu fais du documentaire, toi tu es là pour recueillir. Et d'ailleurs, je pense que j'ai vu en fait chez d'autres gens qui arrivaient, qui leur posaient des questions ultra frontales ou qui disaient, ou qui en fait sans même s'en rendre compte, ils disaient un truc qui faisait que ok, tu pouvais le classer à tel endroit ou tel endroit. Et même des gens qui sont censés être des gens qui réfléchissent, en fait, qui viennent poser des questions, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils ferment les portes directement de telle ou telle personne parce qu'ils vont dire un truc qui va faire que l'autre ne va pas se sentir autorisé à dire quelque chose, à moins que ce soit une vraie grande gueule ou un vrai con. Dans ce cas-là, ouais, tu as les paroles d'un con. Donc j'en avais filmé un petit peu, j'avais l'intention de les mettre, et en fait, ça ne rentrait pas non plus tellement... Ah, bon. Mais pardon, c'était des personnes qui avaient quelle place dans par exemple, Sabrina, qui est celle qui gueule contre Benoît à la fin. Au tout début du tournage, je l'avais filmé où elle avait une discussion sur... où c'était elle qui est arrivée avec ce sujet-là, où en fait, elle s'en était pris à quelqu'un, une femme qui était un peu d'une association qui s'occupait des migrants, où elle a dit, ah ben alors vous accueillez les migrants, machin. En fait, elle était plutôt Front National et elle est arrivée avec ce truc-là. Ça venait à sortir un peu de nulle part, mais ça avait été une longue discussion et je m'étais dit, bon, il y a aussi ça chez les jaunes, faut que je le filme. Après, il se trouvait que ce n'était pas un personnage qui faisait grand-chose dans le groupe. Et puis, elle n'était pas revenue sur ce genre de sujet. Et après, mais bon, elle était quand même là. Mais elle n'organisait pas, donc ça ne pouvait pas devenir un personnage. Et ensuite, elle est réapparue quand il y a eu cette crise avec Benoît. Mais... sa discussion là au début sur les migrants, en fait, c'était une des rares que j'avais. Enfin, il y avait deux choses qui faisaient que je pouvais pas le mettre, c'est qu'en fait, ça me créait pas un fil, je vous dis par rapport à la structure. Et l'autre truc, c'est, je dois dire, c'est vrai que si je commençais si dès le début du film il y avait un propos comme ça, c'était mort. C'était mort au niveau de l'image des gilets jaunes. Il y a une espèce d'équilibre. En fait, on se demande parfois si on n'est pas en train de lisser un petit peu le truc. Pour que les gens, ils apparaissent plus sympathiques. Mais c'est sûr que moi, j'ai essayé de sauver les personnages que j'avais. Même Benoît, qui a des propos idéologiquement hyper bien. Enfin, disons, je dis hyper bien parce que j'imagine généralement dans le milieu du cinéma, documentaire ou fiction, mais documentaire, dans les gens, les opinions, c'est plutôt à gauche. Ça serait bien d'ailleurs d'avoir des commentaristes de droite pour voir ce que ça fait. Non, mais c'est vrai. Et
mais qui par contre humainement pouvait vraiment pas être terrible des fois. Ouais, ça sent un peu. Donc moi, c'était un peu comment le sentir, le laisser un peu exister, mais sans le condamner complètement. Parce que même en jouant parfois sur les, on a vraiment supprimé. Il pouvait dire un truc et puis juste le mot de trop qui fait que, ouais, bah, par exemple au moment de la crise là, quand les autres lui reprochent de, qu'est-ce qu'il lui reproche déjà? Oui, de pas être venu à 7 heures, machin. Lui, avant, il disait, oui, bon, bah, le micro est ouvert, allez-y, si certains ont des choses à dire, c'est le moment. Il fait une longue introduction, très bien. Et à la fin, il tend le micro et il dit, bon, ceux qui veulent, qui ont des choses à dire, allez-y, faites-vous plaisir. Et ça, pendant un bon moment, je l'avais laissé, le faites-vous plaisir. Et en fait, c'est carrément à l'étape du mixage, où c'est le mixeur qui, lui, était à fond. Il me dit, non, 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 mais là, non, 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 là, il casse tout en fait en disant faites-vous plaisir. Et il avait raison, donc on est reparti en montage et en fait j'ai supprimé le faites-vous plaisir qui, c'est vrai, faisait que il avait beau donner la parole aux autres, Oui, il l'a disqualifié d'emblée. il disqualifiait d'emblée et il se disqualifiait du coup lui-même vis-à-vis du spectateur comme étant quelqu'un qui n'en a rien à foutre de la vie des autres. Mais ça apparaît, je trouve, vachement vite quand ils sont en Oui, train oui, de dîner autour de oui. la table. Il coupe la parole alors qu'il vient de dire, ouais, je sais pas quoi, on s'écoute, je sais plus Ouais. exactement ce qu'il dit. Et il coupe la parole à Alan, je crois, Ouais. d'une manière Ouais. archi. Ouais. Voilà, bon, ça se. Bah ça, ouais. Mais alors ça, par exemple, ça c'est un truc, pour le coup, j'aurais bien aimé pouvoir l'enlever, mais je pouvais pas. Parce que je sais que pour beaucoup de gens, c'est un peu fini à ce moment-là avec lui, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est toute la complexité de Oui, non, mais ce que. intéressant aussi. Non, ouais, mais ce que je trouvais. Tiens, j'aurais préféré un personnage qui commence bien et qui dont on sente au fur et à mesure. Là, ça arrive un peu. C'est vraiment pareil, c'est un truc dramaturgique. Ça arrive un peu trop tôt. Le côté antipathique du personnage, il arrive un peu trop tôt. Pour moi. Enfin, j'aurais préféré que ça arrive. Parce que lui, il a vraiment eu un parcours comme ça de quelqu'un qui était hyper fédérateur. Et ensuite, on sent bien que ça lui a un peu monté à la tête. Et qu'il a cru que c'était le grand rôle de sa vie, en fait. Et qu'il a cru qu'il allait devenir. Qu'il était quelqu'un d'important. Et après, ça a été beaucoup plus compliqué. Et je trouvais ça intéressant aussi, parce que ça, c'est aussi ça, en fait, un niveau individuel. Mais pareil, aussi, j'ai voulu le sauver. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais après la crise, il y a trois plans, en fait, on le voit lui avec son chien, tout seul. Et où, pour moi, c'était important. C'était un peu la solitude du chef, mais qu'il y ait cette espèce de mélancolie quand même, qu'on soit avec lui dans ce moment-là de l'après, pour sentir que chaque personnage ait son moment. Parce qu'il y en avait d'autres pour qui c'était plus évident, le côté empathie vis-à-vis d'eux, et lui, c'était moins évident. Donc c'est pour ça que les autres n'ont pas ça, en fait. Les autres n'ont pas un plan seul où on les voit en train de penser. C'est comment on fait en sorte que il faut de l'empathie en fait. S'il n'y a pas d'empathie, mais c'est compliqué l'empathie parce que moi j'adore des films de fiction par exemple où justement c'est avec des personnages de salopards où l'empathie elle n'est pas basée sur la sympathie qu'on a vis-à-vis des gens mais sur les épreuves qu'ils sont en train de traverser ou sur autre chose ou sur leur charisme. Je sais pas là, j'y pense parce qu'il y a. Dans un cinéma à Paris, là, ils vont le repasser. Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, Elio Petri. Je sais pas s'il y en a qui ont vu ce film-là. C'est vraiment l'histoire d'un salopard absolu qui tue quelqu'un qui est commissaire et qui tue pour montrer qu'il est au-dessus des lois. C'est un film complètement fou. On suit un salopard. Et en fait, on est avec lui tout le temps et en fait, on est emporté par son charisme. Donc, moi, j'adore ça, d'avoir des films qui ne sont pas basés sur la sympathie qu'on a vis-à-vis des personnages. Mais chaque film est particulier. Et là, en l'occurrence, donc moi, je savais que les Gilets jaunes, ce n'étaient pas des gens avec qui le spectateur avait a priori de la sympathie. Ce n'était pas gagné d'avance. Il fallait qu'on amenait. S'il n'y en avait pas, c'était mort. D'ailleurs, c'est pour ça que quand il n'y avait au départ pas les interviews, il n'y avait pas assez d'empathie pour les personnages.
Et on entend ma voix, ouais. Non, je pense à ça parce que j'ai regardé là. Oui, oui. C'est pareil. Oui, oui, c'est pareil. Alors, c'est pas la première fois que je fais des entretiens, mais c'était la première fois qu'on entend ma voix. Oui, pareil. J'avais... Bon, après, c'est aussi des fois que tu peux pas. Enfin, comment dire. En fait, c'est pas un choix, mais c'est le choix de me dire, bah, en fait, je vais pas rester à un principe de n'entend pas ma voix et tout ça. Je suis pas présent. Ça, c'est aussi une question que je me suis beaucoup posée. Alors, méfiez-vous des mauvais producteurs. Enfin, qui, en fait, dès que le film va pas bien, ils savent pas. Dès que, alors, des fois, c'est un très bon choix, mais disons que c'est une phrase toute faite de producteur de dire, ah, il faut que tu sois plus présent dans ton film. C'est une tendance, on va dire. Ouais, c'est une tendance, mais je l'ai vu à travers d'autres projets, d'autres gens, ouais. Que souvent, bien souvent, quand le producteur savait pas trop comment quoi dire sur le film, la solution c'est. Il faut vraiment que tu sois présent. Il faut vraiment que tu existes, qu'on sente que c'est ton parcours et tout ça. Donc, moi, je suis pas d'accord. Et en même temps, en tant que documentariste, voilà, je me suis plusieurs fois posé la question comment je suis présent. Et là, donc voilà, je le suis de manière un peu plus directe, mais quand même discrète, je pense, dans le film.